C'est important de passer, comme ils l'ont fait, à travers des zones d'iceberg assez identiques. Bah d'ailleurs, qui a été voisin de... Alors, les 40 jours, on s'est un petit peu énervé cette nuit pour arriver dans le timing des 40. Et c'était pas évident parce que le bateau tapait énormément. On était face à la mer, en fait. Il y avait une houle qui arrivait de l'ouest, une mer qui arrivait de travers de l'est. Et ça crée une mer très confuse dans laquelle le bateau butait énormément. Donc on a dû ralentir, mais on allait juste à la vitesse pour arriver à temps dans le timing des 40. Et c'est vrai qu'on n'imaginait pas que c'était... On n'imaginait pas que c'était accessible pour un petit bateau comme nous et un équipage qui était un petit peu, j'allais dire, on n'avait pas ambitionné ça, quoi. Pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était quelque chose de très très fort. Jamais des hommes n'ont été aussi vite autour du monde à la voile. Ils sont là devant.